On note la présence de deux visages peu connus dans la tanière. D'abord Patrick Soco, le joueur de SD Huesca en Espagne. L'ailier fait sa première apparition avec les Lions Indomptables. Tout comme lui, Martin Botrel Atemengue est sélectionné pour la première fois en équipe nationale. Le milieu de terrain évolue au sein de MS Ashdod en Israël. Ces deux noms s'inscrivent dans la vision du sélectionneur de rajeunir l'effectif des Lions Indomptables. On prépare déjà l'avenir de foot Cameroun. C'est notre boulot aussi. On va en plus, c'est quelque chose peut-être nouveau. De plus en plus, on va regarder ailleurs. Auteur d'une saison flamboyante avec Osasuna en Liga, le défenseur Flavien Boyomo effectue son retour chez les Lions Indomptables. Toujours en défense, James Djungwe, âgé de 21 ans et évoluant en Slovaquie, est l'une des grosses surprises dans la liste de Marc Brice. On note tout de même l'absence de Jean-Charles Castelletto. Le joueur doit être ici dimanche avant minuit, autrement c'est pas correct. Sauf qu'il doit jouer encore cet dimanche. Les autres, il va venir dimanche avant minuit. Pas de grande surprise pour le reste. Marc Brice a conservé le noyau de l'équipe avec André Onana parmi les trois gardiens de but convoqués. En défense, Christophe Ewo, Gade Gadui et Nuo Tolo sont présents. Au milieu de terrain, Franz Zambo Anguissa, Carlos Baleba et Martin Onla ont été convoqués. En attaque, le capitaine Vincent Aboubakar, Brian Bemont et Franck Magri font partie de l'expédition.